On parle de cette maladie, c'est deuxièmement. Allez là-bas, vous pouvez entendre la chose. Tellement alors, il y a. Le vent, vous venez à combien? C'est une question de courir, courir, il va tomber. Assez de courir, courir, courir. Monsieur la vérité, une femme n'est pas faite pour tromper son mari? Non, on n'est pas d'accord. Et si vous voulez déclarer, si vous tomberez sur le fond, allez-y, encore. Tu as le pouvoir. Tu fais du colis, colis. Tu as géré jusqu'à mon sang et dans ton corps. Et vous avez dit que les douleurs de l'hiver, pour moi, il y a. C'est pas question de gêne et de prière. Mais c'est pas question de ordonner pour que ça soit ordonné. Amen. J'ai dit, Nénébo, va détendre nous là. J'ai le pouvoir, toi. Viens, mais j'ai un texte de l'hiver, je vais vous parler. Va, 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 mon mari le trouve, je vous disais de son. C'est qui la petite le monde, c'est ça qui est là. Je vois pas le monde, je vous dis de la petite. C'est quel monde à ton mari? Vous pouvez dire la main. C'est quel père ça qui me bat? Ah non, 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 il est noyé. Mon pardon, non, non. Pour ça, il regarde, il est bien moi. Quand est tout doué. Le bateau. J'ai un pouvoir, dis amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de l'Amérique? Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Ce soir, je n'ai pas peur. Vous savez que quelqu'un pouvoir n'a pas peur. Regardez tes gars. La peur disparaît de son cœur. Moi, tu veux le frayer, je te fais 10 fois. Quand il y a un gars, je te fais 10 fois. Il y a un gars, pourquoi pas? Et comment il fait 10 comme ça? Tu as l'esprit de folie? Le vin n'a pas été. Je dis aux gens, ne vous trompez pas. Le jour où tu as fait l'amour, tu choisis. Ah, entre la maladie et la folie, va te vermine. Ou bien entrer sur voiture. Tu choisis bien. Tu ne veux plus en ce moment avec le blanc. Pour la ligne, non, grâce à l'île. Tu en sors même pas. Hier, je parle là. Ma oui, bon. Vous enseignez des choses bizarres à l'église. Les parents m'ont amené à qui en a quoi? Vous êtes des chrétiens bizarres. Les balais, vous n'impactez pas votre milieu. Les arrivages, on ne sont pas tous les chrétiens. Mais monsieur le Jésus qui vient lui, vous dites pas le Christ. On va dans le capitule. Il dit, ça marche pas pour lui, tout ça marche pas. Oh non, il me croit qu'on a jamais mis un abonnement. Tu vas pour lui mettre dans ma chambre. Dans mon corps, oh non, mais nous n'en avons rien à dire. Il était moi, monsieur. Oh non, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Tu es là, la vérité. Faut que je me trouve dans ma chambre. Oh non. Et pas lui, il a conseillé jeune. Il nous. Ah, le. Oh non, par le second, il a fait un autre. Il y a les chutes de papier jeune. Il est dans ma vie, mais non, non, non.
vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, a dit Jésus. Tu as le pouvoir, dis amen. 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 Si tu as le pouvoir sur la nature, j'ai été donné parce qu'il parlait même à la tempête. Car vous nous et je sais calmer. Amen. Amen. Il y a moi qui lui ai expliqué, il y avait quelqu'un mort dans le fond d'une femme. Ils ont dit qu'on le guérit, il dit non. On dit maintenant, on a les papiers, non, l'enfant est mort, c'est au fond, et puis on va aller faire opération dans ma chaise. Et du coup, nous avons avec elle. Ils sont fâchés, les gars. Non, c'est pour prier pour que l'opération marche. Vous la laissez cette nuit, si elle est morte, mettez-moi en prison. Mais vous allez me voler un bébé, tout va sortir de son appartement. Je communiquais la vie, j'allais dans les autres, dans nous, une heure, c'est l'enfant est sorti. Je dis que je vais dans ma vie. Vous me voyez ici, guérisse. Pas parce que c'est crachot, mais c'est parce que crachot pour la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. On t'annonce une nouvelle du temps. Jésus dormait dans la barque. Il a eu la tempête. Quelle était sa réaction? Il a reparlé la tempête. Calme la tempête! Amen. Tu as fait le poids. Tu peux transformer cette nouvelle à une bonne nouvelle. Amen. Tout dépend de toi. Et vive. Tu as le pouvoir. Il y a un texte. Ça dépend de comment tu vois la chute. Il est n'a pas moi. Moi, tout ce qui se présente à moi. Amen. Mais quoi qu'on ait. Je vois ça comme un miracle de Dieu. Et il y a vraiment la qualité de miracle déguisé. La vraiment qualité de Dieu. Mais non, c'est un miracle. Vous savez pas qui vous êtes. Amen. C'est un miracle. Bon, non. Jésus est pillé de son sang pour te sauver. On ne doit pas se faire de la vie. Quand vous allez, il y a un petit mangeur dans la terre, il a des vélos, le pot de gomme, il est au midi. Un petit maradou est venu jouer toi. Mais c'est pas un jour. Vous faites quand vous trompez dans vos foyers, vous mariez vos trompes, vous êtes contents. Un balai, un petit maradou, un maradou, un maradou, un maradou. Amen. Amen. Il y a le pouvoir, tu t'es parlé sur la nourriture, pour le mari m'a cette nourriture, comme l'amour qui va mon cœur. La dose a diminué, entre le diable et Satan. Et entre Dieu et Satan, qui commet sur la vie? La gole, qui commet sur la vie? De l'onction dans ta bouche, passe la nourriture, ça va neutraliser le lipia dans ton mari. C'est dangereux.
Tu n'es pas un bon mari, t'es là-haut.
Ma foi est trop grande là-bas. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce que la foi des démons. Pourquoi ceux qui sont l'esprit des morts qui est venu en Égypte n'est pas rentré dans la maison où il y avait le sang de l'agneau? Si ton front il y a le sang de l'agneau, oh, tiens, mais... Si ton front est le sang de l'agneau, le sang de Jésus sur ton front, et braqué dans ton fusil, lui dit tout a forgé contre toi, c'est la sang de tête. Tu crois que maintenant là, on a les idées. On a pété des os, fait du chien, on a pété des os. Et toi, la foi du royaume, c'est pour toi, ça va. Mais on peut appeler les prix du pire. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a des gens. Entre Satan et Dieu, qui est-ce que c'est son ami? L'accord. Le peuple n'a pas de l'homme. Le peuple n'a pas de l'homme. Si vous ne savez pas, c'est lui qui connaît. On cache les choses. On passe dans le ciel. Le baguette de la gang. Péodi. Asta, d'ailleurs, la condition. T'as une condition, pas de dire. Mais le pays, il y a une âme. Non, non, comment vous défendez? Vous avez un pouvoir, à casse-tête, de ne pas gagner. Les églises, on ne chasse même pas les démons. De pas les démons. Si je ne vois pas la puissance de Dieu accompagner le ministère d'un pasteur, nom de Dieu, je ne crois pas à son évangile. D'accord. Parce que si tu es un bon, vous avez un bon. Le même mot, amenez-le-moi. Celui qui a dit à Jésus, il est écrit, c'est Satan. Lui qui a dit, il est écrit, c'est Satan. Moi, parole contre parole. C'est quand l'onction de la destruction des œuvres de la sorcellerie va t'accompagner, j'ai pensé à toi ton ministère. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on chasse. C'est moi qui ai dit, contrairement au nom de Jésus, ils vont chasser les œuvres. Ne courez pas derrière les miracles. Alors, vous faites du côté de l'église. Mais il faut que vous vous voulez. Il faut que vous vous voulez. Oh, c'est du côté de l'église. Il faut que vous vous la régulation à ce miracle. Oh, vous faites. Il est moins bon de l'église. C'est pas miracle. Il faut que vous vous voulez. Oh, vous voyez, il est c'est ça que toi t'as pris en lui. Même les balais, il n'a pas été réussi le troisième jour. Parce qu'il est allé en haut parce que nous savons qu'il a pris en lui. Donc, il n'a pas été réussi le troisième jour. Il est allé en haut parce que tu as le pouvoir. Tu as quelqu'un qui a le pouvoir. Amen. Non, je veux vous équiper, frère. Il n'a rien pour soi. Jésus, il se prend de la comédie. Premièrement, il est au pire. J'ai vu des sorciers. J'ai vu des sorciers. J'ai vu des sorciers. Sorcier, quand il sorcier, il est vu. Boukamia. Et il est mouillé, rentré, à Zorayou, dans un village. Voilà, on met en os que le monsieur est assis sur le plus grand mangeur d'art. Voilà, on n'a pas bien. Et moi, dans mon pays, dans mon père, chaud, le marichard, j'avais l'attrapé, il m'a regardé, toi, dans les yeux. En bas de derrière, il faut venir. Quand j'ai dégoré un peu, mes pieds ont commencé à se mélanger. Et quand on met. Quand je ne vois plus, mes pieds se mélangent. Je me suis arrêté, il m'a regardé, c'est quand je suis dit, il quoi. Il y a des gars, il quand j'ai pu me parler, je suis l'attrapé. Il dit, je discute pas, toi, je suis sorcier à même. Oh le gars, il a dit, 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 il
Je vois un grand amour dans un village. Les Souna n'étaient pas des bons. Voilà, les Souna, le village est perdu, je ne vois pas le faire. Mais tout, on est venu pour un. C'est le sang partout, j'entends le bruit des Souna. Je ne vois pas où nous m'aillons et tout. Pendant une heure, que on commence à parler là, je suis appelé des versets, la carte de verset. Je ne vais jamais ce verset. Donc, vous êtes attaqué. Donc, vous voyez que tout ne va pas rappeler ses promesses à Dieu. Parce que quand tu as déclaré dans ta parole, Genèse 54, verset 17, rappelez ça à Dieu. Genèse 54, verset 17, rappelez ça à Dieu. Vous n'avez pas que la maladie, vous pouvez ramener ça chez le monsieur. Vous voyez, je vais commencer à parler des esprits, je vais parler des quatre morts, amen. Je vais parler des quatre morts, on va nous aider, on va commencer tout à l'heure, et puis on va finir le soir, amen. Vous prenez Ézéchiel, Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, amen. Tu as le pouvoir, amen. Maintenant, comment exercer ton pouvoir, l'utilisation du pouvoir, amen. Vous dormez. Alors là, le garçon, quelqu'un qui ne dormait pas. Amen. Je m'en viens à l'heure de vous équiper. Amen. Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Ézéchiel, mais vous ne pouvez pas boire après une lumière de l'eau qui est bon. Qui dort? Alors, voilà. Dis à la petite dormeur sorcier, ne dort plus. Allez, vous calmez. Alors, on le bureau. Amen. Allons-y, Ézéchiel 37, verset 9 à 10. Allons-y. Il me dit. Écoutez très bien, c'est la parole toujours. Prophétise. Il dit prophétise. Et parle. À l'esprit. Prophétise. Il prophétise. Selon. Il prophétise. Oui. Fils de l'homme, toi. Et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. Éternel. Oui, éternel. Esprit. Viens. Des quatre vents. Souffle sur ses morts. Et qui le gêne. Et qui le vit plutôt. Je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il leur reprit vie. Alléluia. Alléluia. Tu vas reprendre vie. La mort qui est en toi. Tout ce qui a été desséché en toi. Mais doucement desséché. Tu vas reprendre vie. Je vais te demander à Seigneur qui va mener tout ce qui est mort en toi. Je vais reprendre vie. Amen. Écoutez ma version. Parole de vie. Alors le Seigneur me dit. Toi qui n'es qu'un homme. Parle au-dessus de vie. De ma part. Parle-lui ainsi. Sous de vie. Voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord. Du sud. De l'est. Et de l'ouest. On attend le Seigneur. Je vous dis, il essaie de combiner les choses de Dieu. De vrai, à me mettre là-bas. Mais ne veux pas m'adresser. Mais en noble. Mais ne veux pas m'adresser par les gens. Parce que les gens qui en arrivent dans la minute, dans les carrefours. Il va faire un peu minimum. Arrive du matin. Dis-le-vous. Il y a des représentations sur le plan spirituel, le vent. Vous savez, la Bible déclare que l'homme
qui marche dans l'esprit est éveillé comme le vent. Quand on a le ouf, le vent il est éveillé, on fait beaucoup de choses. Donc on nous parle de l'esprit des quatre vents. Le vent du nord, du sud, du vers et de l'ouest. Amen. Ils donnent vie. Amen. Quelque chose n'a pas compris. Il fait qu'aujourd'hui, les choses sont encore. Non, les choses n'ont pas encore bougé. Amen. Vous voyez le somme, la somme 104 verset 4. Somme 104 verset 4. Vous allez voir que la parole, le vent est un messager. Il fait des vents. Oui. C'est messager. Il fait des vents, c'est messager. Qu'est-ce que tu as dit pour que le vent envoie ton message? Le vent va envoyer ton message. Alléluia. Et quand vous lisez en chronique, le chapitre 9, verset 24, vous comprenez beaucoup de choses, à mon avis. Chronique 9, verset 24. Chronique 9, verset 24. L'Ancien Testament. Il a le doigt comme ça. La main droite. 1 Chronique chapitre 9, verset 24. Allons-y. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Le portier, c'est celui qui fait quoi? C'est ça? Le potier, c'est ça? Le potier. C'est le potier. Le potier, là. Non, non, normal, hein. Non, la version, c'est le potier. Ici, elle a mis portier. Oui. Amen. C'est celui qui malasse la chine, qui fait la chine. Amen. Non, normal, hein. Le potier est l'esprit des quatre vents. Mon bas. Le vent de quoi? Il dit quoi? Le vent de. Ouais, des quatre vents. Les quatre vents. À l'Orient. L'Orient. À l'Occident. Oui. Au Nord. Oui. Et au Midi. Amen. Donc là, on nous suffit un peu les vents. Il n'y a pas la. Vous savez, quand on parle du vent de l'Orient, le vent qui vient de l'Est. C'est un vent de délivrance. Le Nané. Le vent de l'Orient, c'est de l'Est. Vous rappelez, il est bien bon de délivrance. Amen. Alléluia. Prenez Exode 14, verset 21 à 28. Je vais vous montrer comment utiliser ça. Il faut que le vent soit dans ta vie. Amen. Il faut que le vent vienne de l'Orient pour t'envoyer la délivrance. Amen. Non, il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Amen. Exode. Prenons Exode 14, parce que les versets 21 à 28. Et vous les très bien. Moïse étendit. Étendit sa main sur la mer. Sur la mer. Et l'Éternel. Et l'Éternel refoula la mer. Oui. Par un vent d'Orient. Et par un vent de l'Orient. Amen. Le vent de l'Est est venu pour fendre la mer. Tu as une difficulté devant toi. Il faut envoyer le vent de l'Orient. Regarde vers l'Est. Pendant 4 jours, tout est bloqué et bizarre. Tout est bizarre. Regarde vers l'Est. Étends-toi pour voir à l'esprit du nom de l'Éternel l'Orient de briser l'obstacle, de t'envoyer la division. Vous voulez mourir? Pendant combien de jours? 4 jours. Il y a moi, c'est vivé. Je vais là, vous voulez en faire, vous voulez en faire ça. Vous voulez en faire ça. Pour que Moïse fende la mer, il a payé le vent de l'Orient. 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 Il a payé le vent. On a dit que le tsunami a fait le vent.
En Asie. Mais Tu as fait des prières. Rien. Tu vas parler au vent. Tu vas parler au vent. Allez, tout. Je vais prendre la parole.